Regardez-moi cet écran d'accueil. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui sur The Binding of Mario Rebirth. Oui, je n'ai pas fait d'erreur, comme vous pouvez le voir à cet écran titre de la folie. Car on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de mode de Binding of Isaac Rebirth. Et ce mode, comme vous pouvez sûrement le remarquer, est un mode qui concerne tout l'univers Mario. Ce qui veut bien sûr dire, pour ceux qui me connaissent, que dans le montage de cette vidéo, je vais mettre beaucoup de... Non. Voilà. Et désolé si ça vous énerve, mais bon, je tiens à rester fidèle à moi-même. Donc... Non. Et... Non. Voilà. Excusez-moi si ça vous énerve. Alors... Donc, ce mode, comme je l'ai dit, se base sur Mario Bros, hein, donc jeu que vous connaissez sûrement tous. Donc on voit que plein de choses ont été changées, je sais pas si des choses ont été rajoutées, mais en tout cas voilà, on voit déjà que cet écran d'accueil est bien stylé. On voit que là, la sélection des fichiers aussi a changé. Ça c'est stylé quand même, New Run, Continue, Challenge, Stat, Option, stylé. On va faire New Run. Alors comme personnage, qu'est-ce qu'on a? Parce que ça va être une présentation de mode, mais bon, je vais pas non plus présenter pour... Chaque personnage, en gros, je vais vite fait expliquer quelle est la particularité de chaque personnage. Et après, je vais commencer une run avec un personnage aléatoire. Donc d'abord, on a Mario. Donc, non. Donc ce Mario-là qui commence avec l'item How to Jump. Donc item qui permet de sauter, de faire un saut. Hein, item How to Jump qui n'est pas très très utile, mais qui est une référence à Mario pour ceux qui ont vu... ma vidéo sur les références de Binding of Isaac des items, hein, voilà, je fais ma pub tranquillement. Donc voilà, donc item pas très utile, mais qui fait référence à Mario, et du coup Mario là dès le départ, ce qui est sympa, donc c'est Isaac en gros, c'est Isaac, voilà, c'est Isaac, mais qui commence pas avec le D6 malheureusement. On a Peach, qui commence avec le Yum Mush, donc le Yum Heart de Maggie, mais qui a été changé de nom, et donc c'est maintenant le Yum Mush, donc au lieu du cœur... Du cœur miam, c'est le champignon miam. Et sinon, les stats, c'est les mêmes que Maggie. On a Luigi qui a aussi au tout jump, comme Mario. Qui a les stats d'un Kane. Voilà. On a Egad qui doit être un jeu de mots en anglais. Mais si je ne me trompe pas, c'est le professeur Catastrophe en français. Donc Catastrophe qui est un personnage de Luigi's Mansion. Hein, donc, qui est une blague. C'est une blague, son nom est une blague. Mais là, en anglais, je pense pas comprendre la blague. Mais voilà, c'est Catastrophe. Et son... Son item, c'est la Game Boy Aurore, oh là là. Alors après, on a Cosmic Mario qui commence avec The Poop. Donc, coucou Blue Baby, hein, quoi. Donc, Cosmic Mario, voilà. On a Bowser Jr., bien sûr, qui commence avec Fate, qui veut dire qu'il vole. Dès le début, il vole. Et il... Il a un cœur éternel. Et aussi, il a un objet qui s'appelle Fire, qui est peut-être un nouvel item, ou alors juste un item qui a été renommé, je ne sais pas. Donc, Bowser Jr., très stylé, j'aimerais bien tomber dessus... sur l'aléatoire, on a Toad, hein, bon, un peu moins stylé tout de suite, qui commence avec l'item Scatol, donc le gros caca qu'on a au-dessus de la tête, qui là, dû à la texture d'un champignon, du coup, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils ont modélisé Toad, et qui permet que toutes les mouches soient nos amis. Azazel, que je n'ai jamais vu dans Mario, mais qui s'incruste, hein, qui a pas changé de personnage, donc je sais pas, on a peut-être pu trouver quelqu'un d'autre pour échanger Azazel, mais bon, c'est pas grave, on va pas leur vouloir. De toute façon, le jeu n'est pas à sa dernière version. Coucou les notifications Steam, hein, d'ailleurs. N'est pas à sa dernière version, donc peut-être qu'il y aura une mise à jour pour ça. On a Rosalina, aussi appelée Harmony en français, qui ne commence avec aucun item. On a Eden, qui lui non plus n'a pas changé. On a Boo Mario, qui a l'air d'être... c'est seulement The Lost, quoi, mais il y a un... Point d'interrogation sur ses cœurs, donc je sais pas si The Lost a ça aussi, enfin voilà. Donc on va partir sur du random en... Normal, parce que je suis une tapette. Alors voilà. Et on tombe sur Rosalina. Très bien, donc on tombe sur un personnage qui n'a pas d'item de base. Alors on peut voir que les textures du coup ont été changées. Ah si, un item. Oh. Oh, ça c'est pas mal. Et on commence avec on a un familier, donc déjà on ressemble à Rosalina, ce qui est cool. Et on a un familier qui est un Luma. Et c'est si c'est un item aussi qui a... dans le jeu, oui, très bien, très très sympa le changement pour le Luma, oui, très sympa. Donc on commence avec un item que je vais tester tout à l'heure, je sais pas si c'est un item rajouté ou un item qui a changé de physique. On peut voir que les bombes maintenant sont des bombes un peu jouées là, avec une manivelle dans le dos. Alors je vais essayer de pas mourir tout de suite, hein, bien sûr.
Donc ce mode, si vous voulez ce mode, des nouveaux ennemis, nouvelles araignées. Enfin, en tout cas, elles ont changé de physique. Donc si vous voulez, je joue pas bien là aujourd'hui. Si vous voulez ce mode, tous les liens sont dans la description. Je risque peut-être de laguer un peu, j'espère que non. Mais donc je risque peut-être de laguer un peu vu que c'est un mode. Donc là, les rochers ont été remplacés par des briques. Et ça doit être, je sais pas trop ce que c'est, je n'ai pas de bombe, du coup je vais pas pouvoir essayer de les casser. Mais voilà, allez, je vais utiliser ça. Ah d'accord, c'est Ouh, les caca ont des yeux, rigolo. Donc d'accord, c'est un bouclier de protection, je sais pas, c'est si c'est le Book of, je sais plus quoi cet item. C'est Book of, je sais pas quoi, Book of, Ah j'essaie de trouver, je vois à quoi ressemble l'item là, mais je sais plus. Donc les araignées de base, on risque de mourir rapidement dans cette partie. De base, je peux pas aller te chercher toi. Non, dommage. Est-ce qu'on a que des cœurs bleus? Je vais mal comprendre parce que là je ne parle pas assez de cœurs rouges. J'ai pas regardé quoi Rosalina, enfin qui était comme personnage Rosalina. Oh, des Koopa. Koopa, des paratroopas et des Koopas, voilà. Stylé, c'est stylé d'avoir ça quand même comme personnage, comme ennemi. Alors paratroopa qui va mourir. Je connais pas tout non plus de l'univers Mario, hein. Je connais une grande partie quand même. En tout cas j'espère. Mais voilà, oh une bombe, très sympa. Donc je vais pouvoir essayer de détruire cela pour voir si ça peut me donner quelque chose de spécial. Non, en fait, je pense juste que c'est des pots, en fait. Donc ça m'a donné une pièce. Au moins, maintenant, on est au courant. Ah, ou des Goombas. Ça, c'est cool aussi. Donc, on peut voir, du coup, que toutes les textures, pour l'instant, sans exception à ce que je vois, ont été changées avec des textures de Mario. Et c'est plutôt stylé. Bon, en tout cas, je trouve ça bien stylé. Oh, donc là, voilà. Donc, je ne vois pas ma vie. Je sais pas si... j'ai une curse. Ah oui, j'ai Curse of the Unknown, donc c'est normal que je ne vois pas ma vie. Et d'ailleurs, le nom de... c'est plus Basement, c'est Forest One maintenant. D'accord. Donc même les noms ont été changés. On découvre ce mode en même temps que vous. Enfin, je connais pas très bien ce mode non plus, hein, mais je... Si vous voulez d'autres vidéos sur ce mode, vous pouvez toujours me le demander, hein, j'en ferai du coup. Parce que je trouve ce mode quand même sympathique. Je pourrais tester d'autres personnages, notamment Bowser Jr. que j'ai bien envie de tester. Donc là, les mouches ont été remplacées par ces coccinelles là. Et toi, on a les gros mecs là ont été remplacés par des gros Koopas. Et on a Léo Stompy comme item de départ. Rosalina avec une crinière de lion. Ça fait bizarre, mais bon, elle fait ce qu'elle veut. D'abord, elle fait ce qu'elle veut déjà. Ah oui, du coup, on va pouvoir tout casser. Voilà. Sympathique. Ce trinket là, on va le prendre. Swallow de Penny. Donne-moi quelque chose d'intéressant. Ça, c'est des troll bombes, ça. Voilà, c'est ce que je me disais. Donc, on va aller faire le boss tout de suite pour voir si les boss ont été changés. À mon avis, je pense pas que tous les boss ont été changés, mais quand même une grande partie. J'espère, je vais pas casser tout ça non plus, parce que c'est pas vraiment. Oh, si, pas mal. Ça, c'est un changement. Ah oui, c'est Pin qui a été changé en ça. Ah, stylé. C'est grave stylé, j'adore. Ah, et même les musiques. Je sais pas si on l'entend bien, j'ai essayé de faire en sorte qu'on l'entende bien au montage, mais les musiques sont grave stylées. Donc oui, même les textures des boss ont été changées. Enfin, les musiques font bien Mario, en tout cas. Font bien boss de Mario. Voilà, alors, est-ce que je vais prendre des dégâts dans ce combat? Non. Voilà, bon, dépêche-toi de mourir par contre. Voilà, s'il te plaît. Bon, voilà. Après, ça prend toujours autant de temps que d'habitude. Hein. C'est toujours une partie de Binding of Isaac normale. Que les textures qui changent. Mais bon, c'est quand même bien stylé. Donc voilà, j'ai bien envie de tester Bowser Jr. quand même. Commencer avec Fate et un item qui s'appelle Fire. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'ailleurs, la protection serait pas mal quand même à utiliser. Dommage que je y pense juste à la fin, bien sûr, mais voilà, tout est... C'est pas ma faute. Et oh, pas mal. Oh, on a même le bruit de l'item. J'ai pas le son très très fort, en fait. Et on a récupéré mid, donc HP up, plus les dégâts au-dessus. Ah, oui, mon stuff. Oui, donc on commence avec
Donc, l'item avec lequel on commençait, c'était. Enfin, le familier Luma, là, c'était. Blue Babies Only Friend. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et même l'écran de pause a été changé, donc très sympa, très stylé, très cool. Et on prend le tuyau pour aller à l'étage suivant. Je vais essayer de me dépêcher quand même, parce que je vais pas faire une partie qui va durer 20 ans. D'accord, alors. Ah oui, bah la partie va pas durer 20 ans si on a que un. Un cœur d'âme et un cœur rouge, sachant comment. Enfin, sachant que là actuellement je joue très mal. Oh! Tanox Pow, Soul Convertisseur. Ah, un premier item de Guppy. De Guppy, mais alors c'est la patte de quoi dans Mario? Parce qu'elle a été changée en marron, donc sûrement la patte de quelque chose, mais bon, là tout de suite je vois pas. Donc, ouais, voilà, sympa. Sympa, comme ça on aura vu la patte de Guppy changer, donc on va tuer ces Goombas. Je vais pas expliquer chaque élément de l'univers Mario par contre, mais vous connaissez sûrement la quasi-totalité des éléments de l'univers Mario. Je vais prendre le Black Lipstick, parce que Black Lipstick c'est bien. Je sais plus si Black Lipstick ça augmente c'est un Evil Up, mais je sais plus si ça augmente la chance de loot, enfin de drop de cœur noir ou de pacte avec le diable. Je pense que c'est les cœurs noirs, quoique je suis pas sûr, mais c'est cool quoi, c'est cool. Alors mourir tous. Ah, je fais spawn des araignées. Je fais spawn des araignées en plus de ça, hein, parce que voilà, j'ai pas assez d'ennemis dans cette salle. Donc on va tous vous exterminer rapidement. Ça c'est quoi? C'est le shop. En tout cas, on voit une salle fermée avec une, pas, enfin fermée par un verrou en dessous. Je vais utiliser ça quand même parce qu'il faut bien que je m'en serve. Hein. Je pense pas très souvent à utiliser mes items de barre d'espace, souvent dans Binding of Isaac, ce qui n'est pas forcément super. Hein. Oh, là, je joue mal aujourd'hui. Je suis pas, en fait, je veux juste présenter ce mode pour faire une pause en même temps avec les Fagnata de Candice, même si je sais que ça vous plaît, j'ai pas envie de faire ça non plus, de faire 20 vidéos à la suite sur ce jeu, même si ce jeu me plaît aussi, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouton? Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Alors, Iron Bar, c'est un peu nul, si j'appuie sur ce bouton, ça m'a ouvert la porte, en gros, j'ai bien compris. Bon voilà, c'était pas génial, hein. C'était pas une nouveauté extraordinaire de ce mod, mais c'était pas mal. Et je ne peux pas rentrer. Très bien. J'accepte de ne pas pouvoir rentrer dans cette salle. Alors, du coup, ah oui, du coup j'ai aussi une vie supplémentaire, ce que je n'avais pas remarqué. Et donc grâce à l'item, vu mes traces de sang que j'ai, c'est sûrement grâce à l'item. Comment tu t'appelles toi? Lazarus, voilà, Lazarus Rags. Donc, tu es sûrement un équivalent de Lazarus Rosalina, si jamais tu ne le savais pas, hein, voilà. Voilà, les Koopa. Et, bah, tout de suite, ne sert à rien, malheureusement. Et la salle de boss qui, d'ailleurs, ah, toi, t'as pas changé de design. Pas grave, je comprends que on ait du mal à te trouver un équivalent dans le monde de Mario. Et on peut voir, du coup, que les salles de boss... Les entrées de salle de boss ont échangé et que maintenant ça ressemble plus à Bowser, le méchant de l'univers Mario. Hein, donc comme je l'ai dit, je vais pas tout expliquer chaque élément de l'univers Mario. Je suis parti du principe que vous connaissez bien. Je veux pas mourir maintenant. Ça ferait une vidéo un peu trop courte, n'empêche. Non. Vous ne me tuerez pas maintenant parce que j'ai pas envie non plus de faire une vidéo que de 13 minutes. Voilà. Bon, je suis full vie du coup maintenant. Et quel item? Mushroom. Oh d'accord, et ben un HP up, voilà. Donc on n'a pas vu la physique de cet item, mais voilà, c'est un nouvel item. Enfin, en tout cas, c'est sûrement pas un nouvel item, mais il a changé de nom. Underground One. Stylé. Très stylé. On va pas tester. Si on a besoin de clé, on va tester quand même. Donc le design des coffres n'a pas été changé. Oh d'accord, vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes ceux que je ne peux toucher que par l'arrière ou non? Je sais pas. Je sais pas trop quelle est votre équivalence, vous. Mais voilà. Ça, le problème du coup, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui équivaut à quoi forcément. Vous n'avez pas changé. Hein. Bon, par contre, vous faites spawn des mouches qui, elles, ont changé de design. Alors voilà, donc ça, c'est... S'ils sont comme ça, un peu... Je sais plus le mot en français, mais voilà, un peu stun, un peu étonné comme ça, c'est grâce à l'item que j'ai ramassé, Iron Bar, que j'ai ramassé juste avant dans la tâche précédente. Oh, une abeille.
Tu as été remplacé par une abeille, toi. Et les carapaces. Ah, oh, pas mal ça. Bien trouvé les espèces de tourelles qui sont remplacées par des carapaces de Koopa. Non, bien trouvé. Franchement, bien trouvé, j'y aurais pas pensé. Bien trouvé. Allez, s'il te plaît. Allez. Voilà, meurs. Tu me donnes une clé? Ah, toi, t'es un... Ouais, t'es pas une bombe très gentille. Alors, on passe. J'ai pas non plus envie de faire une vidéo de 20 ans. Hein. Bon, vous, vous allez mourir. Je suis désolé de vous dire ça, mais... je peux pas vous mentir comme ça trop longtemps. Non, je peux pas. Ah, la musique de... La bonne vieille musique de Mario, là. Toi, je t'utilise. Donc, vous, vous n'avez pas changé d'un poil. Hein, donc, vous pouvez mourir dans d'autres souffrances. Cela ne me dérange absolument pas. Voilà, vous pouvez même me coller. De toute façon, je suis immortel. Là, ah oui. Par contre, non. C'est là, je ne serai plus immortel pendant très longtemps. Voilà, c'est bon. Je ne suis plus immortel. Là, c'est triste parce que j'aimais l'immortalité. Allez. Je sais pas si ça vous dérange que je raconte mes conneries, hein, mais non. Voilà. Ah, les carapaces rouges, donc je sais pas ce qui vous change des... Ah oui, vous êtes peut-être celle... Si, les crânes rouges, oui, voilà, vous êtes les crânes rouges qu'on peut toucher même quand ils sont fermés. Mais qui, par contre, envoient 5 trucs de larmes. Alors, voilà, je ne sais pas quoi vous équivalez. C'est français, à quoi vous équivalez? Oui, ça doit être français, oui, c'est sûrement français. Excusez-moi si je fais des fautes de français, mais je suis fatigué, je tourne tard, parce que je ne peux pas tourner le reste du temps. La rentrée est passée, j'espère que vous avez passé tous une bonne rentrée d'ailleurs, j'espère que ça a été sympa pour vous. C'est sympa que puisse être une rentrée. Un gros Goomba qui a explosé en mini Goomba. Enfin, Goomba normal. Oh, pardon, je t'ai fait mal, caca. Excuse-moi. Alors. Qui êtes-vous? Oh, vous êtes les osselets. Non, je vous aime pas. Vous, je vous aime pas. Personne. Est-ce que quelqu'un vous a déjà un jour aimé, vous, les osselets? Oh, des champignons. Toi, Star Mushroom, oui. Toi, quoi, t'es qui, vous? D'accord. Tu m'as fait quoi là? J'ai pas vu. J'ai cassé un champignon en one up et j'ai pas vu ce que ça m'a fait. Ça m'a pas donné de la vie en plus, non? Attends. Par contre, qu'est-ce que j'ai ramassé là? Ah oui, j'ai ramassé. Ah non, j'ai ramassé The Body. Qui m'a donc renforcé. Alors, le premier shop qu'on voit. Oh, avec un mec bloc qu'on voit dans je sais plus quel jeu Mario. Et je vais prendre. J'aurais voulu prendre la machin watch. Broken Watch, mais je vais pas la prendre maintenant. Alors, vous. Je sais pas forcément. Je reconnais pas forcément à quel. À quel mob fait référence tel mob dans le jeu? À quel mob de Mario fait référence tel mob dans le jeu? Par exemple, je vois pas tout de suite. Vous, peut-être que si vous êtes un grand connaisseur de Mario, vous connaissez. Mais moi, désolé. Pourtant, je pense connaître assez bien. Mais Gaffe dit, je ne t'aime pas. Et mon item n'est même pas rechargé. Pourquoi je t'ai combattu? Parce que je ne t'aime pas. Tu es compliqué. Tu n'as même pas changé de design. Tu peux donc aller mourir violemment. Non. D'accord, t'as pas l'air d'être très d'accord avec le principe de la mort. Non, décède, je ne... Est-ce que quelqu'un aime ce boss aussi, sérieusement, parce que... Voilà. Oui, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la troisième partie de référence de The Binding of Isaac Rebirth devrait sortir dans les semaines qui viennent. Je suis en train de terminer l'écriture et le tournage devrait pas être très très long. En tout cas, toutes les références sont trouvées. Je suis à peu près à la moitié de l'écriture au moment où va paraître cette vidéo, normalement. Enfin, normalement, cette vidéo va paraître pas longtemps après que je l'ai tournée, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, ce que ça intéresse, ça parlera des boss. Hein. Voilà, je pense parce que je pensais à Mega Fatty, justement, sur lequel je n'ai pas trouvé de référence, ou en tout cas pas de référence intéressante. Voilà. Bon allez, par contre, il a 105 APV, puis nos dégâts sont pas si énormes que ça, du coup, forcément, le combat est un peu long, un peu chiant, voilà, d'accord. Et je n'ai que des HP up, ce n'est pas possible. Et
je vais descendre. De toute façon, je deviens de moins en moins increvable. Ah oui, j'avais pas remarqué aussi, mais là, bien sûr, le design a été changé de Isaac Kipler là par terre, c'était stylé. Et la chanson change encore. Et la Tomb Caves 2. Stylé. Stylé. Alors, bah, on va descendre. Hein. On va tenter. Vous n'avez pas changé. Enfin, je vais pas dire ça. Je vais pas non plus dire ça à chaque fois que quelqu'un n'a pas changé. Mais voilà quoi. Un Pow. Alors, qu'est-ce que tu fais un peu? Est-ce que tu es une bombe rochée? Oui, tu es une bombe rochée. Je te déteste, du coup. Désolé, c'est pas personnel, mais... Ouais, voilà, je t'apprécie pas trop. Oh, Death Touch, ça va nous aider. Ça, on va bien aimer, Death Touch, avec des pénétratives shots, plus des damage up, ça, c'est vraiment cool. Voilà, ça c'est nos larmes, hein, défaut. Pour ceux qui connaissent pas l'item Death Touch, et c'est stylé. Par contre, oui, je n'avais pas fait remarquer ça, mais il n'y a pas de mob d'habitude dans les salles de... Les Treasure Room, et là il y en avait. Voilà, donc ce qui n'est pas dans le jeu original, je précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas par cœur le jeu original. J'ai failli me faire toucher et c'est mal. Bon, là je pouvais pas passer sans prendre le cœur. Hein. Mais voilà, j'étais pas obligé de passer par là au final, mais bon, on va rien dire. Donc, cœur éternel qu'il ne faut pas que je perde si je veux un HP up. Mais je veux pas forcément un HP up parce que j'ai pas envie que cette run et que du coup cette vidéo dure 20 ans. De toute façon, au bout d'un certain temps de vidéo, je vais l'arrêter tout seul. Hein. Je vais le terminer de mon côté. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, d'accord, vous êtes les... Ah, c'est toi. Les tourelles qui se déplacent, d'accord. Voilà. Non. Par contre, tu veux bien sortir de ta cachette. Voilà. Cordialement, cœur. Allez. Non. Non. Vous n'aurez jamais... Pff, cette esquive était-elle... Est-ce qu'elle était autorisée? Est-ce qu'elle était halal? La question se pose. La question se pose. Bah, décédé, s'il vous plaît. Moi, je veux juste aller d'étage en étage pour montrer certaines nouveautés visibles. Voilà. Donc, sinon, si vous aimez bien les présentations de mode de Binding of Isaac Rebirth, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires parce que je n'ai même quasiment pas vu de présentation de mode de Binding of Isaac Rebirth en français. Et bah, du coup, voilà. Du coup, je la fais parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien les modes de Binding of Isaac. Et du coup, on présentait. Je trouve ça plutôt sympathique. Hein. Donc, vous pouvez toujours me dire si vous aimez bien ça. Ça aura peut-être moins de vues que d'autres vidéos, vu que c'est du Binding of Isaac et que tout le monde n'est pas abonné juste pour Binding of Isaac. Oh, je connaissais ton nom à une époque. Cette époque est révolue malheureusement, mais oh, une pilule. Ça va, donc Larry Junior qui a été remplacé par la chenille, là. Je ne connais plus le nom. Alors, Else Down, c'est en même temps sympa, mais en même temps pas très sympa. Lockdown, c'est pas très sympa non plus. Et vous me faites des dégâts. Donc, c'est pas très très sympa tout de suite, maintenant, mais... Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas cette technique, j'ai la flemme de l'expliquer, mais voilà. En gros, là, les osselets ne peuvent pas me toucher. Je cours dans le sens... En fait, là, vous voyez pas, mais je cours dans le sens du mur. Et je tire en même temps de l'autre côté. Donc, voilà. Est-ce que j'ai eu l'item? Oui, j'ai eu l'item. Donc, on va battre The Husk qui n'a pas changé. C'est bon, je peux maintenant le battre pleinement contre cet ennemi. The Husk, tu peux décéder. Si l'envie t'en vient, tu peux décéder. Si l'envie t'en vient, c'est une expression valable. Oui, c'est une expression qui existe, hein, oui, je pense. Si l'envie t'en vient, tu peux décéder. Toi, comment vas-tu, petit Luma? Dis-moi si... Tu me dis s'il y a un problème, hein. Alors, Magic A-Ball, Shot Speed Up, effectivement. Wow, une salle du démon. Oh, un deuxième item de Guppy. Ah non, c'est Tanuki, là. Ah, d'accord. Guppy serait donc transformé en Tanuki. Enfin, serait changé en Tanuki, du coup. Donc, Tanuki's Tales. Et donc, Bowser à la place de Satan, bien sûr. Hein, peut-être Satan est sûrement remplacé par Bowser, d'ailleurs, dans les boss finaux. Je vais prendre toi, là, Dark Mater.
parce que j'ai des cœurs à revendre et je m'en vais à part ça, Two of Diamond, boom. Voilà. Et je prends le tuyau, voilà. Et je passe parce que j'ai pas envie de passer trop de temps. Alors, Volcano One. Stylé. Là aussi, je vais dire ça à chaque fois. Non. Alors, est-ce que ma technique marche toujours? Enfin, c'est pas moi. Enfin, ma technique, c'est moi qui. Je l'ai. Enfin, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai vu quelque part. Je ne sais plus du tout où, mais je l'ai vu. Donc voilà, donc Dark Matter qui. Je ne sais plus trop ce que ça fait, ça. Hein, ça fait peur aux ennemis, si je ne me trompe pas, et ça donne peut-être des dégâts supplémentaires. Je ne sais plus du tout. Vous n'avez pas changé, mais de toute façon, si j'ai mes pénétratifs shot, vous ne faites pas peur. Vous ne faites peur à personne, en fait. Donc, regardez, boum. Et voilà. Ah, d'accord, les blocs comme ça, c'est des roches teintées. Maintenant, je suis au courant. Parce que je n'en avais pas croisé pour le moment. Au moins, c'est bien. C'est parce que, ce qui est bien, c'est que les roches teintées sont facilement visibles. Je veux dire, j'ai pas mis 20 ans à me dire, oh, est-ce que c'est une roche teintée? Est-ce que c'est pas une roche teintée? Je me demande, la question se pose. Non, là, la question ne se pose pas. Ce n'était pas une roche teintée et on a de plus en plus de cœurs, ce qui va nous empêcher de mourir, mais voilà, vous savez, je vais pas répéter 20 fois la même chose, hein, mais je veux mourir dans pas trop longtemps, parce que 26 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Toi, tu pues. Ah non, par contre, toi, désolé, j'aime pas dire ça, mais. Ah, mais là, tu pues, toi. Ah, mais trop. Je te ramasse parce que Dr. Zimote, voilà. Qu'est-ce que fait Dr. Zimote? Voilà. Oh, mais c'est pas. C'est toujours mieux que téléporte. Parce qu'on peut le confondre avec téléporte de temps en temps. Mais bon, c'est pas un item que j'ai. Oh, d'accord, les mains de Mom. Est-ce que les mains de Mom seront changées en quelque chose d'autre? Non. Mom a pas été changé, visiblement. Mais c'est pas grave. C'est un personnage important, récurrent. Un des boss finaux du jeu. Je comprends que Mom n'ait pas été changé. Et Tears Up, cool. Surtout que je lag là. Là, on peut voir par exemple que je suis à 14 minutes de run. Et vu que mon jeu lag à cause du mod, enfin, je dirais même sans mod, parfois ça lag quand même. Du coup, moi je suis à 26 minutes de vidéo. Pourtant, je suis à 14 minutes de run. Alors que vous pouvez regarder sur la vidéo, ça fait plus de 14 minutes que j'ai commencé cette run. Voilà, du saut quand même un peu vite. J'aimerais bien. D'accord, toi tu m'as snipé de loin. Je n'apprécie pas cet acte. Et j'ai d'ailleurs gagné un cœur noir. Oui, parce que Dark Matter donne un cœur noir, je pense, si je me trompe pas. Voilà, là, ça va pas être très très compliqué. Ah, d'accord, les Goombas sont des cacas en fait. Les cacas, voilà. Quelque sorte de Isaac, comprenons ce que j'ai dit en voyant les Goombas courir comme ça, hein, mais. Et voilà quoi, j'ai pas dit ça genre non mais les Goombas c'est nul, non c'est pas ce que je voulais dire. C'est les ennemis qui ont été remplacés par des Goombas sont à la base des cacas. Les gros cacas qui foncent vers nous à la dingle et qui font spawn des petits cacas. Qui foncent vers nous mais de façon avec une distance beaucoup plus petite. Et ce qui du coup en fait des ennemis pas très dangereux. C'est pas ça que je voulais faire, pardon, j'ai une bombe. Je pleure personnellement devant cette action. Je pleure. Alors, décédez s'il vous plaît. Décédez, non mais sérieusement, non mais rends l'argent. Pardon, je voulais pas dire ça, c'est sorti tout seul. Je suis fatigué. Oh, vous, je vous connais dans Mario. Vous êtes les boules électriques. Pas sûr qu'il y ait besoin de moi pour savoir ça. Oh, wow, un black market, s'il vous plaît, un black market. Si j'ai un black market dans ce jeu, si j'arrive à découvrir un black market Mario, je fais rien de spécial, mais dis-moi que c'est un black market. Tamise Head, je prends Tamise Head, cœur. Black market. Bon, d'accord. Oh, Daddy Long Legs, Po. C'est peut-être. Non, c'est pas mieux qu'un black market, mais c'est bien. Très bon item, Daddy Long Legs. Voilà. Casser un caillou au hasard et voilà, ça m'a fait ça, hein. Un des bienfaits du coup de Léo. Toi je vais te laisser là parce que Tamise Head c'est bien. Que fait Tamise Head pour ceux qui se demandent? Daddy Long Legs l'a tué lui. Je le montrerai sûrement tout à l'heure. Cricket's Head Damage Up, très cool. J'ai des dégâts au maximum, voilà, ça va pas être dur de finir tout le monde. Alors vous, ah voilà, que la vitesse à laquelle je les tue, mais c'est génial. Pardon, j'ai fait un bruit étrange, pardon. Voilà, à quel point Tamise Head est pété avec mon truc là.
avec mon setup, voilà, je pourrais gagner la partie. Bon, vous comprenez au bout d'un moment que j'en ai pas envie, hein, vous devez comprendre. Ou alors vous êtes très loin à la détente et tu m'as fait des dégâts parce que... voilà, parce que t'es pas cool. Et je me prends beaucoup de dégâts. Daddy, aide-moi s'il te plaît. Papa. Papa, si tu veux bien m'aider, on serait honoré. Voilà, tu tires à des endroits où il n'y a personne. Ce qui m'aide à survivre, hein, bien sûr, parce que si tu tires pas sur moi, je survis. J'aurais plus de chances de survivre. Je sais pas trop s'il y avait besoin de moi pour dire ça. Non. Allez. Monstre 2, c'est fait. Au revoir. Je pense que quand j'aurai battu Mom, je terminerai cette vidéo dans tous les cas. Parce que je vais pas faire une vidéo de 20 ans. Comme j'ai dit 20 fois, toi je te prends Contract from Below. Qui fait que... Attends, est-ce que ça... Non, je confonds, mais ici une page 2. En gros, qui, quand on loot un cœur, par exemple, ça loot 2 cœurs. Quand on loot une clé, ça loot 2 clés. Quand... Enfin, voilà, ça double les loots. Plus facile de dire ça de cette façon-là. Volcano 2, si je me trompe pas, voilà. Et là, là, on va battre Mom, si je me trompe pas. Et je ne pense pas me tromper. Et un mini-boss, on avait encore vu aucun mini-boss. Boum. Ça n'a servi à rien. Et on tombe déjà sur un super mini-boss déjà, donc super grid. Non, non, super... T'es qui Bomberman? T'es Wars. Non, Wars c'est un boss. T'es Wars. Ça c'est Wars. Voilà. Toi t'es un rocher bombe, du coup je ne t'exploserai pas. Hein, le pot, désolé, mais... Non, un pot, non. De la Junior et les boules électriques. Les boules magiques. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Si vous avez apprécié cette blague geek, non. Non. Alors si vous n'avez pas apprécié cette blague d'ailleurs. Credit card. Bim. C'était bien. C'est intéressant. Voilà. Goodbye. Goodbye comme dirait un mec. Je suis vraiment trop fatigué pour trouver des blagues. Même de mauvais goût, même de l'humour noir, et c'est pour dire, parce que j'aime bien l'humour noir, donc c'est pour dire que si même moi j'arrive pas à trouver de l'humour noir, c'est que vraiment je suis crevé. Enfin, même si je fais pas que de l'humour noir, bien entendu, vous l'avez sûrement remarqué. J'aime l'humour absurde. L'humour absurde c'est bien. Je fais souvent de l'humour absurde, vous l'avez sûrement remarqué. Parce que voilà. Et qui n'aime pas l'humour absurde, sérieusement, c'est bien l'humour absurde. Si vous n'aimez pas l'humour absurde, je respecte votre choix. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas envie de me mettre à dos des gens non plus. Voilà, ça c'est Contract from Below qui, au lieu de faire pop une clé, en a fait pop deux. Voilà, c'est si vous suiviez, vous l'aviez compris. Et comme vous suiviez, vous l'aviez compris. Voilà. Décède. Je suis d'accord que le gameplay tout de suite est moins passionnant qu'au début. Parce qu'au début c'était bien, vous découvrez le mode, et là vous découvrez le mode aussi, mais plus le temps passe, plus on est tard dans la nuit. Du coup je suis de plus en plus fatigué. Du coup je raconte de moins en moins de choses intéressantes. Mais je me dis à moi-même que ce que je dis n'est pas intéressant, et voilà, je sais. Ah, par contre j'ai plus de clé, du coup je vais prendre celle-là. Non, là tu ne l'as pas prise, désolé Rosalina, mais tu as du mal. Oui, qui est Rosalina d'ailleurs. Rosalina, ou Harmonie en français, comme je l'ai dit, est un personnage très important de Super Mario Galaxy 1 et 2, d'ailleurs, enfin, le Super Mario Galaxy en général. Donc, si vous avez joué à ces jeux-là, vous savez qui est Rosalina. Bonjour, la moto qui passe à côté. Je ne pense pas que vous l'ayez entendu, mais je tiens quand même à dire bonjour à la moto qui passe à côté. Parce que, quand même, c'est une sacrée personne, la moto, hein. Voilà, c'est une sacrée... Je dis n'importe quoi, mais sérieusement. Magnekushnen, quand est-ce que tu commenceras à dire des choses plus intéressantes, STP? Alors, je viens d'utiliser ma dernière clé, d'ailleurs, hein, aussi en passage, mais pour ça, je pense que vous l'avez remarqué, du coup, je pensais pas avoir à le préciser, parce que c'est totalement nul, hein, d'avoir fait ça, et toi, tu as explosé sans me laisser la moindre chance de partir à cet endroit-là. Je suis triste. Et... combat Mom qui du coup n'a pas changé d'un poil et qui va être notre dernier boss de la journée, de la vidéo surtout. Ouais, je meurs. Il fait spawn des mobs qui ont changé, mais elle n'a pas changé en elle-même. Je vois pas en qui aurait pu changer Mom quand même.
Déjà, ce mode est vraiment cool, je trouve. On va pas lui dire, ah non, mais ça t'aurais pu mieux faire quand même, j'ai envie de te dire. Non. Oh. Oh. Le boss rush. Le boss rush version Mario. Qui est-ce que ça intéresse d'autre que moi? Bon, par contre, je vais pas faire un fine bouche, mais les items sont tous à chier. Je veux pas, non, désolé, c'est à chier. Pardon. Mais bon, on va finir sur autre chose que Mom. On va finir sur ce boss rush. Je sais pas si j'ai des chances de gagner, ça, je sais pas. Je ne sais pas si je vais gagner. J'espère, enfin, je pense que oui. Mais dans tous les cas, cette vidéo se terminera après ça. Et puis si je meurs, bah tant mieux, parce que ça fera une raison de plus. Captain Toad's Hat. Oh, pas mal. Pas mal, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que le Miner's Hat ressemble au chapeau du Captain Toad. Pas mal. Toi, je t'avais pas vu avec ton Brimstone là, mais voilà quoi, toi tu peux pas prendre de dégâts, donc voilà, je vais rien te faire là, Blight and Ovum. Et tu m'as fait un dégât par contre, toi, parce que tu es un parfait salopard. Oh, un Twomp. Non, Twomp, Womp, Twomp. Attends, qui es-tu toi? Mais si, les chiens de Mario là. Ah, mais j'ai oublié qui t'étais. Oh, t'es pas Chubb? Non, t'es pas Chubb. Si, t'es Chubb. Attends, est-ce que je peux te faire avaler une bombe? Ouais, t'es Chubb. Non, parce que je connais plus les boss du boss rush par cœur non plus, hein, mais voilà. Bien stylé. Du coup, on peut voir les boss qui ont changé, qu'on n'avait pas encore vu. Et ça, c'est unique. Non, et ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Je sais pas si le boss rush a changé, parce que je me souvenais pas que Chubb était là dès le début dans le boss rush à la deuxième vague. C'est pour ça que je pense que le boss rush a quand même pas mal changé. Enfin, pas mal a changé, quoi. Pip, tu vas mourir tout de suite, Pip. Pip, tu vas décider. Oh, qui es-tu, toi? Duke of Fly. Oui, parce que Zios, on l'a déjà croisé, il était pas comme ça. Donc, Duke of Fly, qui devient donc Duke of Bee. Voilà, donc Duke of Abeille. Waouh, stylé. Tu es stylé en mode abeille. Bon, par contre, t'es la reine des abeilles. Du coup, t'es une femelle. Mais voilà. Enfin, je sais plus si Duke of Fly est une femelle. Parce que Edmund Macmillan, donc le créateur du jeu, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais il était temps de le savoir quand même. Donc, Edmund Macmillan avait répondu à une interview en disant quel boss était une femelle. Et je ne sais plus si Lord of the Fly en était une. Oh, Loki, tu as changé. Tu es devenu toi. Toi, je te connais dans Mario, je me souviens de toi. Et donc c'est cool, pas mal. On voit des boss changer et ça, je trouve ça cool. Pour la fin, on fait des découvertes sur ce mode même après la fin. C'est même à la fin de la vidéo, c'est ça que je veux dire. Parce que même après la fin, c'est ouais, enfin c'est bizarre comme phrase. Vous décédez tous, hein, de toute façon. Vous avez l'habitude, hein. C'est pas comme si vous. Vous butez pas tout le temps, bon, toi tu meurs aussi, hein, petit machin. Little Gemini. Allez, thanks. Bon, là c'est des boss qui avaient changé, mais qu'on avait déjà vu. Qu'on avait déjà vu sous cette forme, hein, Larry Junior. Larry Junior qui est d'ailleurs mort très rapidement, mais en même temps c'est Larry Junior, hein. Larry Junior meurt toujours rapidement. Daddy Longlegs qui fait son taf. Fait un taf pas obligatoire, un taf qu'on aurait pu faire nous-mêmes, mais qui fait son taf quand même. On prend. Oh, un Twomp. Stylé. Stylé. Mais qui est le Twomp alors? Attends. D'accord, on a un nouveau Twomp. Enfin, on a un mob qui est un Twomp du coup. Et un mob qui est un chien comme ça là, mais en version femelle. Je n'arrive pas à savoir quel boss vous êtes. Tu n'avais pas l'air d'être monstro, toi, mais peut-être, hein, après tout. Et on a encore toi, mais waouh. Non, là, tu es Chubb, là. Là, tu es Chubb. Je me souviens que Chubb était là, mais ça veut dire que il y a pas de vague avec Chubb, par contre, dans le boss rush. Hein, donc, ça a bien été changé. C'est bien ce que je me disais. Bon, il y a Gurdy, hein. Gurdy qui n'a pas changé. Il est toujours là. Hein. Vrai Gurdy, c'est... une des icônes de Binding of Isaac, hein, enfin des boss de Binding of Isaac. Qui met du temps à mourir malheureusement, mais bon, ça c'est pas sa faute, hein. Ouais, bah, Monstro 2 et Guiche, vous allez mourir maintenant parce que je ne vous aime pas. Bon, là pour le coup vous n'êtes pas mort, hein, donc ma phrase était un peu vide de sens, vu que vous n'êtes pas mort quand je vous ai dit mourir.
Mais ça aurait été cool. En tout cas, j'aurais bien aimé que tu meurs maintenant, par exemple. Ça aurait été cool. Ça serait cool que tu meurs maintenant. Voilà. J'essaie. Donc là, par contre, Monstro 2 arrive vers moi, non? Non, bah non. Il est sage. Allez, profitez des dernières minutes de cette vidéo, les gens. Bon, de toute façon, là, je pense qu'il n'y a presque une chance que de mourir, hein, surtout quand on voit tous les... Je ne regarde même pas ce que tu tires, désolé, mais tu ne sers vraiment à rien, Guiche. Donc surtout avec tous les cœurs qu'il y a au sol, je pense que mes chances de mourir sont quand même assez basses. Bien basse, bon, par contre, tu ne me bouges pas, hein, parce que voilà, bon, si tu veux, boum, je ramasse un cœur, c'est bon, t'es sale, voilà. Désolé. Désolé. Avancez. Toi, non, ah, il y a Pin qui va arriver, là. Pin en mode, oui, en mode toi. En mode cactus, machin. Ah non, essaye de me toucher, tu y arriveras peut-être un jour. Ce n'est pas sûr. Ah non, tu n'y es pas arrivé. Dommage. Bon, allez, reviens, Pin. Je t'aime, en fait. Ah. Mort trop rapidement, Zeus. Bon, là, Zeus qui est Ziolo, qui n'ont pas changé, malheureusement. Bon, toi, tu vas pas faire spawn plein de gens, hein, donc je te tue dès à présent. Bon, du Coffly, en version... Version hard, tu meurs. Voilà. Enfin, j'ai même pas le temps de finir cette phrase qu'il était déjà mort. Comme si c'est pas un signe, c'est pas beau. Mask of Infamy. Alors toi, tu crèves et bloat. C'est bloat l'autre, non? Oh oui, c'est bloat. Oh d'accord, bloat. Toi, tu crèves d'abord parce que bloat, non. Juste non, pas bloat. Est-ce que quelqu'un apprécie bloat? Déjà, si quelqu'un apprécie Pip, alors qui me le dit? À qui me le disent? Qu'il me prévienne. Si quelqu'un apprécie Pip, qu'il me prévienne. Mais Bloat, voilà, c'est encore pire. Qui aime Bloat, sérieusement? Qui aime Bloat? Parce qu'encore Pip, d'accord, oh là là, on peut faire des jeux de mots avec son prénom, d'accord. Mais Bloat, bah, il est nul. Ah, on arrive dans les dernières vagues. Plus que deux vagues. Et on arrivera à la fin de ce boss rush Mario Edition. Ah, famine. Famine. Comme je te haïssais à mes débuts sur Binding of Isaac. Comme je te haïssais. Toi aussi, tu peux se donner un War. War, tu sais. T'es pas le plus apprécié non plus. Oh, vous avez vu ça? Ils ont été transformés en Bill Ball. Et ça c'est cool. Ça, c'est stylé, le Bill Ball. Le Bill Ball. Machin, je sais même pas ce que vous étiez à la base des tétards. Des tétards, oui. Bon bah des 7 par contre, hein, ce serait sympathique. Je n'esquive même pas tes coups parce que ça ne sert à rien. Et les machins vont me tuer d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Ah, toi tu meurs s'il te plaît. Et toi tu es mort. Alors qui est le suivant? Pestil? Non, pas Pestilence. Death. Pourquoi d'habitude je tue Death en premier? Où es-tu, Death? Non mais dois-je te tuer à... Dois-je te trouver tout seul ou... Non mais... Lâche ton cheval et arrête de m'envoyer tes faux là au visage s'il te plaît. Ce n'est pas très poli de faire ça à quelqu'un qui est ton ennemi déjà. Donc oui, pour ça j'arrive à comprendre, mais voilà. Je commence vraiment à dire n'importe quoi. Il faut plus que je tourne la nuit, sérieusement. Mais il faut plus que je tourne la nuit. Si je veux vous proposer du contenu comme il faut. Oh, vous avez tous les deux changé. Oh, mais c'est stylé ça. Fallen... qui a été transformé en Kamek. Non, ou Krampus. Non, c'est Fallen. Et là, il va cracher son Brimstone. Coucou. Eh non. Fallen qui est transformé en Kamek. Ça, c'est stylé. Et c'est qui d'autre? C'est qui celui qui est avec Fallen déjà? Et machin qui est transformé en truc sur son nuage. Là, j'ai oublié son nom. Peut-être en voyant ses attaques, je vais me souvenir de qui il est, mais je savais qu'il était avec Fallen, mais qui est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Si, c'est le Forgotten Horseman. Non, c'est pas Forgotten, c'est quelque chose d'autre. Bon, c'est voilà, on a la Game Boy Aurore. Et voilà, et on est Pac-Man temporairement, hein, mais on a la Game Boy Aurore. Voilà, je pose ma manette, je me calme, et je vais mettre fin à cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non. Désolé pour tout ce que j'ai mis au montage, hein, pour tous les Mario qui disent non. Et
Bah, j'espère, je ne sais pas quoi dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce mode vous plaît. Dites-moi si ce que vous pensez des présentations de mode de Binding of Isaac Rebirth. La prochaine fois, je ferai plus court. Je vous promets que je ferai plus court. Parce que là, c'est surtout à cause du boss rush. Sinon, ça aurait fait moins de 40 minutes. Ça aurait été cool. Donc, je vous assure que je ferai plus court. Et peut-être plus d'informations sur les modes. En tout cas, j'ai les prochains modes de prévu. Vous pouvez toujours me proposer vos modes de Binding of Isaac que je testerai. Donc, si ce nouveau concept vous plaît, vous pouvez me le dire. Vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo et même d'autres vidéos de la chaîne pour faire connaître la chaîne et donc qu'il y ait plus de gens sur la chaîne. Et j'en serai très heureux. Et je ne pourrai jamais autant vous remercier que ce que j'ai envie. Oui, c'est français. Bah, de toute façon, si on comptait chaque phrase que je disais qui n'était pas française, voilà. Donc, vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez envie de ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit sur Final Fantasy Candice, parce que pour le moment on est là-dessus. Et aussi sur les présentations de mode de Binding of Isaac Rebirth. Et le DLC arrive très bientôt. Je ferai bientôt, bien sûr, des vidéos sur le DLC. Cette outro est beaucoup trop longue. Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ce que vous avez pensé de la vidéo, du mode et du jeu. Et du montage, hein, que des non, si ça vous a énervé ou pas. Et je vous dis à plus, à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement sur du Final Fantasy Candice. Et salut à tous, cœur sur vous. Et à très bientôt. Salut! Salut!